Respect tout fanatik machan zè la kayo, gwo bonswa ak bonjou pou nou tout. Si se pou la pwemè fwa ou konekte sou kanal sa, sonje ke ou sou machan zè la kayo. Nou kontan rejwen nou, nou kontan antre la kayo pou lòt fwa. Pou nou kontinye pote informasyon pou ou kap domine aktualite an nan peyi d'Ayiti. Na profite ou remersye an jeneral tout moun ki yo menm kontinye rete konekte sou machan zè la kayo, tout moun ki fè chwa de nou. Et son réel plaisir pour nous à chaque fois nous porter information pour tout super fan nous yo, super abonné nous yo, pour tout le monde qui yo même pas jamais lagué nous yon mai. Et c'est raison ça qui fait nous même nous pas jamais lagué yon mai tout parce que nous travaillons pour nous toujours kembe informé. Je dis à la nous gen Stanley Lucas qui est même sorti dans silence li. Et ben côté monsieur saccagé et sénateur, ancien sénateur Don Kato, nous songe époque que sénateur a été et levé vinak poupou dans sénat côté monsieur te glacier sénat avec poupou. Et ben jodi a la donc gen Stanley Lucas qui fait que saute et démasquer monsieur la démantibuler ancien sénateur et monsieur réagit tout donc sous et élection qui était faite dans sénat côté donc Joseph Lambert c'est nouveau président tiré sénat après que Pierre François Sidol lui même fin perdit place là jodi a c'est Joseph Lambert qui lui-même nouveau président Sénat. Nous va l'inviter au gain tout détail, nous va l'inviter où et ben attendez, Stanley Lucas qui t'a répondre question et donc qui t'a répondre question Lou Kodesi dans émission Haïti dans émission Matin Débat. Écoutez monsieur t'a bail en pile information tout sur ça qui a passé dans pays d'Haïti, dossier insécurité avec l'autre divers l'autre et donc bagaille qui a traversé pays là. Tout détail mesdames et messieurs c'est en dans vidéo ça avec Stanley Lucas et puis et donc Lou Kodesi. J'espère tout fanatique machin zé la kayo, gros bonsoir ak bonjour pour nous tout. Si c'est pour la première fois qui sont quittés comme héritage pour génération qui va venir. Bien et question fondamentale d'allier dans cette journée ou délivrer politiquement économiquement pour pays a même genre des monde pas jamais oublier dans l'histoire politique du pays. Donc, dans le moment ça qu'on a vivre là, c'est qui ça nous a délivré économiquement et politiquement pour 2021. Qui ça nous a fait pour nous gagner stabilité politique là. Instabilité politique là, fait nous perdre, qui ça, et pendant et 3 ans et demi qui sont passés là. Et 3 milliards nous perdus avec près de 115 000 jobs. Et coronavirus là, fait nous perdre 1 milliard de dollars et 45 000 jobs. Pays là, fait nous perdre 2 milliards et 85 000 jobs. Et est-ce qu'on est que 50% investissement dans la Caraïbe, c'est Saint-Domingue-là. Oui, oui, ça c'est certain. 50% de tout investissement qui vient dans la Caraïbe, c'est Saint-Domingue-là. Oui, mais c'est eux-mêmes qui créent conditions pour recevoir investissement. Ça y est, nous pas créer aucune condition, nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est qui politicien aujourd'hui, excusez-moi, que je vais l'employer. L'homme gardé mon sénateur Mathieu Fekal à la baie conférence. Pour la mettre violence. Sénateur qui était là, et qu'on l'a journaliste, et sénateur pour pouvoir. Moi, je suis à la conférence, dans le début de l'année, un sénateur de la République, aujourd'hui, me dit mes visions pour l'économie pays pour l'année. Et puis, moi, sénateur Mathieu Fekal, c'est plus violence qui sortit pour planifier pour la société. Alors que violence, en fait nous perdre près de 3 milliards de dollars américains, près de 80 000 jobs dans 4 ans qui sont passés. C'est quoi cette insanité? Le rôle de politicien, c'est le bien-être de la nation. Le rôle politicien, c'est pour rêve, papa, maman, petit capitaine de radio. L'aile temps des politiciens, c'est pour faire rêve, monde ça qui n'a pas à tourner réalité. Et pour ne pas planifier violence, pour enterrer rêve, monde qui dans la société. Bagaille, c'est insanité, ça ne va pas continuer. Sénateur Mathieu Fekal, ça y est, il n'est pas capable de continuer. Vous ne pouvez pas garantir l'avenir de la jeunesse et de la nation. D'accord, merci en pile. Moi-même, c'est donc la décennie doit être la décennie de l'institutionnalisation de la démocratie, décennie 2021-2031, la décennie du progrès et du développement et économique. Parce que bataille mais qu'on vient en 2031, les abîmes fait bilan décennie 2021-2031. Je nous saute fait là pour 2010-2021, nous finis décennie de 2031 même genre.
Merci en pile. En 2020, et nous faisons une décennie qui était difficile pour nous en pile. Et tremblement de terre crasé nous, 2010-2020, cyclone Mathieu crasé nous. Et dans 10 ans, nous passons 6 ans de violence et de blocage institutionnel. Donc dans 10 ans qui sont passés à 2010-2020, nous perdons pratiquement 6 ans. Et c'est nous-mêmes qui avons piqué tête nous, en tant que pays, et pas nous qui avons piqué nous. Nous commençons une nouvelle décennie là, 2021-2030. Question fondamentale pour nous poser tête nous, est-ce que nous avons le même comportement dans la décennie 2021-2030 ou bien nous avons commencé la décennie ça en l'autre jour. Décennie qui sont passée là, nous avons boulé caoutchouc, crasé bien moun, boulé l'école, badi jounen le Sénat matière fécale, bloqué propre pays nous avec mouvement politique que n'a fait dans la rue nous craser propre économie. Est-ce que nous voulons recommencer décennie 2021-2030 là même gens ou bien décennie ça nous va faire tourner une décennie d'institutionnalisation de la démocratie et du développement économique. Réponse là phénomène moun k'ap fè politik yo d'abord lié parce que 6 ans que nous sommes pas perdu en 2010-2021, c'est politicien qui fait perdu avec association que gagne avec bourgeois corrompu. Donc je dis à première deuxième semaine de 2021, où allons-nous? Est-ce que politicien yo pral penser pour 14 millions moun qui nan pays a et 4 200 000 qui nan diaspora? Et les États-Unis parlent d'une croissance économique de 4%, n'est-ce pas? Saint-Domingue parle d'une croissance économique de 6%. La Chine parle d'une croissance économique de 10%. Mais décennie a commencé depuis 2 semaines, par un grand politicien pays d'Haïti qui dit nous, mais qui sa croissance économique pour 2021 et pour décennie en bralier. Parce que bien-être louco et émission qu'elle a fait, bien-être tatout, bien-être l'exido, et bien-être tout le monde captain de radio à là, c'est non grande bagaille qui est. C'est une croissance économique pays nous. Pas de croissance, tout le monde dans la misère. Pas de croissance, tout le monde dans le grand goût. Donc, il n'est pas normal pour moi-même, pour nous commencer une décennie comme ça, 2021, pas de leader politique dans la société, à pas président, qui fait forme de relance économique. Là. Pas de leader dans la société, non. Nous commençons décennie, nous commençons 2021. Pour qu'on dise nous, ou même qui dans la rue, si machin qui veut dégager là, ou même chauffeur camion, chauffeur tap-tap qui dans l'arrière, ou même paysan qui a planté là, qui ça y a gagné pour comme programme économique pour l'année 2021? Est-ce que nous avons une croissance 3% pour l'année? Qui ça y a gagné comme vision pour décennie ça qui va être difficile en pile? Parce que à cause de COVID-19, la transformation économique qui chita sur l'intelligence artificielle, y a accéléré. Ça veut dire pays qui est plus pauvre, c'est où pas victime. Donc, est-ce que c'est notre direction ça que nous devons aller? Et c'est pour ça, et nous-mêmes dans l'émission ça, et son boussole que nous y est, boussole économique là, doit être une principale boussole de la politique. Bien-être économique et social, peuple là, doit être une principale boussole nous pour l'année 2021. C'était pour, et pour l'émission ça. Mais ça pour Lambert, son institutionnaliste qu'il y est, Lambert son constitutionnaliste lié, tout le monde bien connaît, beaucoup moi-même, qui fait observation électorale et qui aide l'élection dans le pays d'Haïti depuis 87, moi aide dans le référendum 87, là, moi aide dans l'élection 90, élection à 3 tout 95, élection présidentielle 96, élection 6 avril 97 et la grille, tout le monde connaît que, en dedans, parce que Gombay, excusez-moi quand je dis ça, et pas gagne tout bagay pas possible dans Sénat. Gagne des bagay légal et constitutionnel qui possible, gagne des bagay qui pas constitutionnel et inconstitutionnel Lambert kon bagay ça. Donc kou li avec 10 sénateurs qui rete yo. Qui contribution président Sénat bay de conseil à 9 sénateurs qui rete yo pour que pays a pour une route et pour confirmer et avancer avec processus politique et électoral et constitutionnel là parce que année ça dis-nous clairement, est-ce que nous entrons dans la décennie, même si nous entrons dans la dernière, ou bien est-ce que nous avons changé de direction pour décennie ça? Donc, dans ce sens, je pense que Lambert a un bon flair politique pour goûter tout à l'heure. Il a des bonnes relations dans tous les circuits économiques et politiques.
Et monsieur son gros manœuvrier politique que lié, d'ailleurs, les animaux politiques, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Donc, c'est qui contribution que lui cabaye à avancement pays. Parce que à la fin de la journée, et Louko, question fondamentale là, ou même comme politicien qui gon mousse au pouvoir, nan men, qui sort quitté comme héritage pour génération qui a vini. C'est question fondamentale là, c'est lié dans fin de journée. Ou délivrer politiquement, économiquement pour pays. Même genre des démons ne va jamais oublier dans l'histoire politique du pays. Donc dans le moment ça que nous vivons, c'est qui s'en a délivré économiquement et politiquement pour 2021. Qui s'en a fait pour nous gagner stabilité politique là. Instabilité politique là fait nous perdre qui ça et pendant et 3 ans et demi qui se passe là. Et 3 milliards nous perdre avec près de 115 000 jobs. Et coronavirus là fait nous perdre 1 milliard de dollars et 45 000 jobs. Pays l'autre a fait nous perdre 2 milliards et 85 000 jobs. Et Louko, est-ce qu'on est que 50% investissement dans la Caraïbe, c'est Saint-Domingue Lally? Oui, ça c'est certain. 50% de tout investissement qui vient dans la Caraïbe, c'est Saint-Domingue Lally. Oui, mais c'est au même qui...